au pluriel, donc d'où le S en forme de virage, de technological shift, ça veut dire le virage technologique. Donc accrochez-vous dans les virages. Pour situer un petit peu mon propos, donc j'ai commencé par me présenter, Dr Hamid H. Mohamed, donc orthodontiste libéral à Oran. Dr Rezoug me connaît en tant qu'ancien maître assistant, donc j'ai été enseignant à la fac d'Oran pendant quelques années et installé en libéral depuis quelques temps aussi. Donc voilà. Ceux qui me connaissent savent que j'aime lire, apprendre des cultures différentes, etc. Donc j'ai découvert dans mes lectures un petit peu récentes un concept un peu américain, la gratitude. La gratitude, c'est le gratefulness. Eux, ils le pratiquent de manière à trouver chaque jour quelque chose pour lequel on est reconnaissant. Donc j'aimerais en premier être reconnaissant d'être parmi vous aujourd'hui. Donc ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être en sécurité, de pouvoir apprendre. Donc on le voit dans les événements actuels. Donc c'est un réel, une bénédiction de pouvoir partager la science comme on le fait. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez la chance d'avoir des conférenciers de renom qui viennent partager avec vous leur savoir. Donc c'est aussi une raison pour laquelle on peut être, avoir de la reconnaissance. Et j'ai trouvé que c'est un concept qui rejoignait un petit peu nos valeurs. Donc je tenais à remercier l'association du corps médical de Chleb de m'avoir invité et à leur tête Monsieur Jaffar, donc, qui a été donc, très attentif à l'organisation. Donc je tenais à vous remercier. Donc commençons par le commencement, donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tout caser en 20 minutes. Le diagnostic en orthodontie, je vais devoir, je sais. Le diagnostic, vous allez me dire qu'est-ce qui va être révolutionné dans le diagnostic. Donc vous avez tous eu des cours d'orthodontie à la fac, c'est une partie qui est un peu ennuyeuse, etc. J'aime bien dans les formations commencer par ce type de cas. Donc, une malocclusion de classe 3, la patiente a un articulé inversé au niveau de la 12, la 22. On a une DDM plus ou moins modérée. Donc, est-ce que, selon vous, c'est un cas où on devrait extraire ou non? Oui? Non? Super réflexion. Ce n'est pas la bonne question. Extraire ou ne pas extraire n'est pas une question à poser, parce que là, on devrait poser un diagnostic. Et l'évolution par rapport à nos diagnostics en orthodontie, c'est que pendant de longues années, on s'est focalisé sur les dents, la malocclusion en classe 1, en classe 2, en classe 3. Vous voyez que techniquement, on peut résoudre de très grosses DDM maintenant sans devoir avoir recours aux extractions. On pourra le voir après avec des mini-vis, etc. Donc, extraire ou ne pas extraire n'est pas réellement la bonne question. La bonne question à poser, c'est, bon, vous voyez, donc, le cas peut se dérouler de telle sorte qu'on peut trouver de l'espace et aligner toutes les dents et finir en classe 1. Mais la véritable révolution en orthodontie, c'est quel type de profil a la patiente au départ. On ne va pas traiter cette patiente de la même manière si elle avait un type de profil différent. La patiente a un profil plutôt concave, ça ne se voit pas très bien sur la projection ici. Donc elle a un profil plutôt concave. Si on va s'amuser à extraire en haut et probablement en bas aussi, on va creuser le profil encore plus. La jeune fille à la vingtaine, on va la vieillir de quelques années en l'espace de quelques semaines à quelques mois. Et voilà, exactement, c'est une jolie jeune fille, donc on ne devrait pas. Donc on devrait garder des lèvres qui sont bien soutenues par les dents, etc. Donc j'aime bien cette citation de Maslow qui dit que lorsqu'on a comme seul outil à notre main qui est un marteau, on va voir tous les problèmes comme étant des clous. Et on pourra y revenir après, il n'y a pas que des clous dans la vie, il y a des vis, il y a des boulons, donc on devrait avoir plusieurs outils à notre disposition. Donc là, je voulais projeter cette diapo, c'est Smile Driven Orthodontics. Actuellement, on parle d'orthodontie dirigée par le sourire. Les orthodontistes étaient dans les congrès ou là dans les facs, étaient comme des geeks portés sur l'informatique, pas très amusants, parce qu'ils s'occupaient uniquement de la position des dents. Et maintenant, donc, on parle d'orthodontie portée sur le sourire. Qu'est-ce que ça veut dire?
qu'on doit porter notre attention sur la macro-esthétique, ça veut dire la forme du visage, les proportions verticales, la projection du menton, est-ce que les lèvres sont soutenues ou pas. Tout ça, c'est dans le sens de la macro-esthétique globale du patient. On devrait d'abord réfléchir from outside in, c'est-à-dire de l'extérieur, pour aller à l'intérieur. Ensuite, on a la mini-esthétique. Les orthodontistes ont beaucoup négligé ces paramètres. Incisor display, ça veut dire l'exposition des incisives. On pouvait avoir de belles occlusions, mais de pas très jolis sourires, parce que le sourire était sous-exposé. Le patient ou la patiente, quand il souriait, on voyait très peu les dents. La bascule du plan d'occlusion. On peut avoir donc un plan d'occlusion qui n'est pas très bien orienté, de telle sorte qu'on peut avoir un sourire qui n'est pas plaisant à la fin. Donc on devrait avoir chez une jeune dame, par exemple, une exposition quasiment de 100% de l'incisive lors du sourire. Chez un homme, on peut avoir moins. Donc c'est des notions très importantes. Par exemple, la largeur du sourire. Si on fait des extractions, on va réduire la largeur sans s'en rendre compte et on va se retrouver avec ce qu'on appelle des buccal corridors, c'est-à-dire des triangles noirs lorsque la personne sourit, donc avec des sourires un peu étroits. La symétrie, donc tout ça, c'est des paramètres de mini-esthétique. Si on va plus en détail, on ira vers de la micro-esthétique. Et les orthodontistes n'étaient pas très forts à ça aussi. Donc, par exemple, l'équilibre entre le rose et le blanc, pink and white, les zéniths, les contours des bords incisifs. Lorsqu'on alignait des dents, on négligeait souvent la forme des dents de telle sorte à avoir des triangles noirs, par exemple entre centrale latérale ou alors entre d'autres dents qui ont des formes. Parce que les dents, quand elles sont en chevauchement, elles n'ont pas l'habitude de fonctionner ensemble. Donc elles ne s'abrasent pas de la même manière. Et que quand on les aligne de manière entre guillemets artificielle, on peut se retrouver avec des dents triangulaires de manière excessive. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en considération. Parce que ce qui importe à nos patients en réalité, ils s'en foutent d'être en classe 1, en classe 2, etc. Ce qui leur importe, c'est des changements de ce type. C'est-à-dire la patiente, elle veut un changement de son sourire. Ce qui est important à nos patients, c'est d'avoir une esthétique à la fin du traitement. Bien sûr, être en classe 1, c'est important, mais pour nos patients, et maintenant pour les orthodontistes, c'est très important d'avoir donc de l'esthétique à la fin. Donc c'est pour ça que le diagnostic, la révolution dans le diagnostic, c'est que c'est un diagnostic qui est basé sur la position de l'incisive supérieure. Donc où est-ce qu'elle est située? Est-ce qu'elle est trop en avant dans le profil? Est-ce qu'elle est dans le sens vertical? Est-ce qu'elle est correctement située? Et là, ça va influer même sur notre manière de traiter. La position où on colle nos brackets va être influée par ça. Dans les trois sens de l'espace et dans la quatrième dimension aussi, qui est le temps. On ne va pas traiter une jeune fille de 20 ans comme un homme d'un âge mûr, la cinquantaine, ou c'est des demandes qui vont venir de plus en plus chez vos patients. Donc le diagnostic sera différent en fonction de l'âge du patient aussi. Donc je vous rappelle peut-être de mauvais souvenirs de vos études de chirurgie dentaire, donc la céphalométrie. Donc la céphalométrie n'est pas si scientifique que ça en réalité. Donc c'est des notions qui sont basées sur des notions de gourou, donc des auteurs comme Tweed, qui était un petit peu raciste, n'aimait pas les sourires remplis des Afro-Américains. Pour lui, il fallait extraire, tout reculer pour avoir des sourires un peu plats. Donc c'est basé sur des notions d'auteurs en réalité. Les échantillons qui sont choisis ne sont pas forcément les bons pour nous. La céphalométrie d'une population suédoise n'est pas forcément celle d'une population maghrébine, par exemple. Donc là aussi, la céphalométrie n'est pas si scientifique que ça. Donc, et pour ajouter une couche, donc elle est un peu ennuyeuse, mais ça reste un guide. On ne peut pas se passer de céphalométrie si on veut faire un traitement orthodontique correct. Concrètement, qu'est-ce que ça va influer? Donc, ça va influer sur, on va apprendre à regarder ce qu'il y a lorsque votre patient sourit en orthodontie. Actuellement, ça influe sur la hauteur à laquelle on colle nos brackets. Peut-être que vous voyez dans des publications sur Instagram ou autre, des brackets un petit peu collés, très gingivaux. Donc c'est peut-être une manière bizarre de procéder. Et en dernier, les orthodontistes apprennent de plus en plus, donc c'est une des évolutions, à parler le même langage que les autres dentistes. Donc depuis ce matin, j'ai dit à Dr Zerabi que vous m'avez un petit peu fait aimer l'endodontie. Les orthodontistes se sentent un petit peu
comme des praticiens à part. On ne comprend pas exactement ce qu'est. Bon, une lipo, je me rappelle un petit peu, mais. Donc, je suppose que c'est la même chose pour vous quand vous assistez à des confs de d'ortho. On ne parle pas forcément le même langage. Mais de plus en plus, on parle par exemple de dominance incisive. Je suppose que Dalel sait ce que c'est, les proportions, les embrasures, les zéniths, etc. Chose qui n'était pas présente il y a quelques années pour les orthodontistes. On ne se souciait pas beaucoup de l'esthétique de la gencive. Alors qu'actuellement, je retouche quasiment systématiquement au laser, à la fin des traitements, la gencive. Donc, on va de plus en plus vers de l'emotional dentistry. Donc, nos patients ont Instagram, TikTok, etc. Donc, ils sont influencés par ces influences, qu'on le veuille ou non. Et en tant que dentiste ou orthodontiste, on est censé aussi donc, communiquer avec nos patients de la même manière. Donc, ils ne se soucient pas beaucoup de leur classe 1, mais ils se soucient de la largeur du sourire. Par exemple, cette patiente va vous dire, quand je souris, je vois des triangles noirs. Quand je souris, j'ai des triangles noirs entre les dents. Je ne vois pas assez mes dents quand je souris. Donc là, c'est des demandes de patients et c'est une des révolutions de l'orthodontie. Autre révolution, le protocole. Donc, qu'est-ce qu'on entend par protocole? Un protocole, c'est un génie, c'est quelqu'un qui sait rendre ce qui est compliqué simple. Et pour moi, un des génies actuels de l'orthodontie, c'est Tom Pitts. Tom Pitts, il a créé un protocole qui simplifie nos traitements. En tant qu'orthodontiste, il y a un protocole, c'est-à-dire c'est une manière de regarder les dents, de regarder le patient, de regarder l'occlusion, de telle sorte que on doit regarder s'il a toutes ses dents, les proportions, l'arc du sourire, par exemple la microesthétique, la projection du menton. Tout ça, c'est intégré dans quelque chose de simplifié, pour à la fin avoir un résultat qui soit satisfaisant. Donc le protocole, qu'est-ce qu'on entend par protocole? C'est une manière simplifiée de procéder. Quand on parle par exemple SAP, c'est-à-dire Smile Arc Protection, à quel endroit on va coller nos brackets? Donc ça, c'est une révolution en orthodontie. Les brackets peuvent être collées à l'endroit ou à l'envers. Je ne vous cacherai pas, le premier jour que j'ai vu un collage en SAP, je l'avais reçu, j'étais maître assistant, je me suis dit peut-être que l'orthodontiste ne savait pas exactement ce qu'il faisait. Les brackets étaient collées à l'envers. Mais en réalité, quand on colle des brackets à l'envers, on obtient des informations de torque sur les dents qui sont différentes. Donc si on veut procliner les incisives vers l'avant ou vers l'arrière, on pourra inverser la position des brackets pour avoir cette information. Donc là, c'est une, entre guillemets, une révolution. Les élastiques, donc il y a tout un schéma d'élastiques à mettre en place dans le protocole. La désarticulation, qu'est-ce qu'on entend par désarticulation? C'est des cales qu'on met entre les dents. Quand on veut traiter une béance, on mettra des cales à un certain endroit. Quand on traitera une supraclusion, on mettra des cales à un autre endroit. Donc là, tout ça, c'est le protocole. Et le protocole, ça permet donc de voir de manière prédictible nos patients. Donc de voir, notre cerveau s'entraîne à traiter un patient de manière logique. Par exemple, pour cette patiente qui a une béance, c'est à la fois le collage, les élastiques et la désarticulation qui permet de traiter ce type de béance. Bon, rapidement ce cas, si vous, il y a quelque chose qui vous intéresse, après, donc c'est une béance d'origine alvéolaire, les arcades sont étroites, la patiente a à peu près 12-13 ans à peu près, les brackets sont collés un petit peu plus haut que la normale si vous remarquez. Donc les élastiques, là aussi, on les met d'une manière un peu particulière. On met des cales très postérieures et on demandera au patient de mordre dessus pour faire basculer le plan d'occlusion. Au bout de quelques temps, donc on peut avoir ce type de fermeture de béance. Et ça, c'est l'ensemble des facteurs qui a permis ça. Toujours dans la gratitude, donc je voulais vous parler de Wassim Bouzid et Ilyas Tebaoui. Donc c'est une bénédiction pour l'orthodontie en Algérie parce qu'ils ont permis aux orthodontistes algériens de pratiquer comme un orthodontiste à Los Angeles. On pourra en parler à la fin. Est-ce qu'on peut le faire partout? Ce matin, j'entendais quelqu'un dire qu'à Jelfa, on ne pouvait pas avoir un Conbim. Nos limitations, c'est nous-mêmes qui les créons. D'accord? Il ne faut pas se créer des limitations. Nos patients méritent le meilleur. Donc, s'il y a quelque chose que nous apprennent les crises qu'on vit, c'est que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Si on doit mieux traiter nos patients, nous-mêmes sommes responsables.
Donc, un autre cas, par exemple, comment le protocole peut fonctionner, les cas de classe 2. Donc, Bouteina qui vient très timide, très difficile de la faire sourire. Donc, on voit le type de malocclusion qu'elle a. Donc, je ne vous pose pas la question si c'est avec ou sans extraction. La céphalométrie, même si elle est toujours importante. Pas beaucoup de chevauchement, elle a surtout un décalage antéro-postérieur, elle est en classe 2. Les cales, si vous avez remarqué, on les a mis à un autre endroit. La hauteur de collage, là aussi, elle est un petit peu différente. Donc on progresse. Bon, pour ceux qui ont remarqué, par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent de l'ortho, si vous remarquez, on a un élastique de classe 3 sur un cas de classe 2. Ça peut paraître bizarre, mais dans le protocole, ça a du sens. C'est de faire basculer dans un premier temps le plan d'occlusion pour mettre après des élastiques de classe 2. Si après, dans le débat, vous me poserez la question, j'irai plus en détail. On continue avec des élastiques différents aussi. Là. Donc, ils sont courts. On ne met pas d'élastique de la canine, par exemple, à la molaire. On met toujours des élastiques un peu courts. Les alliages utilisés sont parfois un peu différents aussi. Donc au fur et à mesure de la progression du cas, donc on arrive à réduire quand même une classe 2 importante. Vous voyez, au bout de 14 mois de traitement, on arrive à de l'acier. Regardez la différence de largeur qu'on obtient avec ce type de protocole. Donc la largeur a évolué. Donc c'est ce qui permet le gros de la correction. C'est l'expansion au niveau supérieur qui permet une avancée de la mandibule. Donc la réalité, c'est une patiente quasiment adulte. Donc on n'a pas obtenu de réponse osseuse. Mais on a une avancée de la mandibule lorsqu'on a levé le verrou qui existait auparavant. Bon, dommage, les photos n'apparaissent pas très très bien. Au bout de 17 mois, un peu de reshaping, c'est-à-dire de modification de la forme des bords libres, etc. On voit l'évolution de la largeur, tant en haut qu'en bas. Le profil. Et au débagage, donc le décalage totalement réduit. Donc ça va sans dire que la satisfaction suprême, c'est de voir la patiente totalement transformée. Donc c'était une patiente très timide, donc qui venait au cabinet avec un large sourire. Donc c'est parmi les plus grosses satisfactions, c'est de voir des patients totalement transformés dans leur comportement. On pourra en parler après si vous voulez. Donc le bracket. Le bracket, bon, comme je vous ai dit, j'ai un background de hospital universitaire. Je ne suis pas un vendeur de brackets. Donc, et je crois fermement que certaines technologies sont supérieures à d'autres, certes, mais il y a toujours moyen de faire les choses bien avec ce qu'on a à notre portée. Donc je tenais à vous parler par exemple des brackets auto-ligaturants. Parce que c'est une innovation, c'est une évolution de notre matériel d'orthodontie qui permettent des choses qui n'étaient pas possibles à faire avec des braquettes conventionnelles. Il y a, par exemple, dans ma pratique, il y a des cas que j'estime pouvoir traiter en orthodontie conventionnelle ou en autoligaturant et qui auront à peu près le même résultat. Mais il y a des cas où le braquette autoligaturant sera supérieur. Donc là aussi, c'est notre rôle, comme le disait ce matin, je crois, c'est Dr Zerabib, c'est notre responsabilité d'apprendre dans quel cas être efficient en réalité. C'est-à-dire dans quel cas on va utiliser tel appareil et dans un autre cas, on s'orientera vers autre chose. Par exemple, le cas de Fethi, malocclusion de classe 3. Donc là, on voit à peu près donc, le pouvoir des braquettes auto-ligaturants. Donc là aussi, jeune garçon, un peu timide, donc dérangé par son sourire. Là, on colle en bas d'abord avant le haut. Les cales aussi, on va les mettre au niveau des 6. Donc je vous épargne un petit peu les détails, c'est juste pour voir comment évolue le cas. On arrive à lever l'obstacle. Et donc au bout de quelques temps, avec le port des élastiques, donc l'occlusion s'équilibre, quelques finitions. Et on a un patient qui est transformé. Et pour moi, c'est toujours le sourire qui est le plus spectaculaire. Bon, d'un point de vue c'est-à-dire occlusal, c'est sûr un grand changement,
Mais c'est la manière de sourire du patient, le fait qu'il soit détendu, qu'il fonctionne bien dans la vie, qui est le plus spectaculaire. Autre révolution, c'est les mini-vis. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc c'est une réelle révolution. Donc on appelle ça un game changer. Ça a totalement changé la donne. Je sais que je m'approche de la fin. Les vis peuvent être interradiculaires. Je pourrais m'arrêter si vous voulez. Donc regardez une malocclusion comme ça, une patiente qui a des arcades très étroites. Donc à la fin du traitement, c'est toujours, regardez la différence de largeur du sourire. On a l'impression qu'elle a rajeuni entre cette photo et cette photo. Les mini-vis, là aussi, c'est une révolution parce que ça a permis des choses qui n'étaient pas possibles. Regardez la déviation de la médiane supérieure. Donc on arrive à recentrer les médianes avec des dispositifs comme ça. Pour les dents incluses, là aussi, regardez, ça c'est une, pour ceux qui font de la paro, c'est une technique VISTA, c'est pour Vertical Incision Subperiostal Tunnel. C'est en réalité une technique de tunnelisation. Donc, avant ce type d'inclusion, c'était impossible à traiter sans mini-vis. Parce qu'il fallait d'abord tracter la dent en horizontale, ensuite donc la faire venir en verticale. Si on la tracte directement, on est sûr d'avoir des résorptions sur centrale latérale, parce qu'elle est au-dessus de la centrale. Donc une mini-vis comme ça, une chirurgie un peu spéciale, donc un tunnel, on la distale donc en horizontale. Lorsqu'elle arrive au-dessus de son site d'éruption, on fait une deuxième chirurgie pour la tracter verticalement. Pour ceux qui aiment la paro, donc j'en profite pour vous inviter à notre association. Donc on organise une masterclass. Donc il y a, je pense qu'il reste encore des places pour le TP et les conférences. Donc c'est le 10 et 11. Ah, oui, pardon. C'est pas comptabilisé le temps maintenant. Merci. Merci. On ne peut pas parler de révolution et d'évolution sans parler des aligneurs. Donc vous en avez sûrement entendu parler, les aligneurs. Est-ce que c'est la panacée? Est-ce que ça permettra de régler tous nos problèmes? Donc vous avez sûrement la réponse. Ce n'est jamais non. C'est jamais oui, pardon. Les aligneurs transparents, donc c'est une forte tendance à commencer. Vous allez commencer à recevoir des demandes dans vos cabinets. Donc les patients commencent à être demandeurs de ce type de traitement. Dans certains pays, ça représente actuellement 50% des traitements d'orthodontie. Donc déjà maintenant, en 2023, il y a certains praticiens dans le monde qui sont à 50% aligneurs, 50% orthodontie conventionnelle. On peut y mixer, donc on a vu le numérique ce matin, donc c'est des empreintes optiques, fichiers STL, impressions. On a maintenant des in-house aligners, c'est-à-dire des aligneurs fabriqués au cabinet, donc de plus en plus, et c'est la tendance je pense aussi, on aura des imprimantes pour les aligneurs dans nos cabinets d'ici quelques années. Donc est-ce que ça règle tous les problèmes? Bon, je ne vais pas aller dans le détail des aligneurs, mais bon, ça peut être une aide dans certains cas. On va passer rapidement. Donc comme pour toute technologie, on l'a vu avec les réseaux sociaux, avec n'importe quelle technologie qui vient à nous, on a toujours des avantages. Sans les réseaux sociaux, je n'aurais peut-être jamais connu Del El Setri ou M. Zerabib ou d'autres praticiens qui sont ailleurs en Algérie. Mais les réseaux sociaux ont aussi leurs inconvénients. Donc vous connaissez tous les inconvénients des réseaux sociaux. Donc n'importe quelle technologie a des avantages et des inconvénients. Et comment on peut prendre le maximum d'avantages et éviter les inconvénients? C'est en ayant une responsabilité. Et notre responsabilité en tant que scientifique, c'est d'apprendre, c'est la science. Donc la science, plus on apprend, plus vous avez maintenant, donc la science est plus accessible que quand on était étudiant. Quand on était étudiant, il fallait aller à la bibliothèque, retirer des ouvrages, etc. Et là aussi, on peut être grateful pour ça. Maintenant, d'un clic, avec Sci-Hub par exemple, vous pouvez accéder même à des articles payants. Donc on est des Algériens après tout, donc on est des pirates à la base. Donc on arrive à avoir des articles simples. Donc pourquoi aller payer des centaines de dollars alors qu'on peut... Oui, gentil pirate, pirate pour la bonne cause justement. Voilà, donc on en a fini avec les virages technologiques. Donc bien sûr, tant qu'évolution et révolution, il y a dedans love. Donc ça veut dire qu'on doit faire les choses avec amour et avec son cœur. Et bien sûr, aujourd'hui, nos cœurs sont donc avec nos frères. Et en tant que dentiste, on doit
comme nos ancêtres l'ont appris, lutter mais avec le sourire. Donc, exactement.